le temps de s'installer. Une petite dernière avant le ring. L'ex-impresario de Leonard Cohen finit en prison pour harcèlement, Christophe. Oui, Anne, ça m'a surpris aussi. Bah ouais. Kelly Lynch, c'est son nom, hein, après avoir dû payer 9 millions de dollars au chanteur en 2004, a continué de le harceler en lui envoyant des centaines de messages insultants. Or, maintenant, elle est en prison pour harcèlement et c'est bien fait. Non, mais c'est vrai, vous vous rendez compte, harceler Leonard Cohen, le poète de la non-violence, l'auteur, le compagnon de vie. Hein. Harceler un gars qui commence toutes ses journées par 2 heures de méditation zen, c'est inexcusable. Harceler celui qui a donné tant de bonheur à ceux qui ont écouté sa musique et tant de migraines à ceux qui ont essayé de comprendre ses paroles. Non, vraiment, une telle injustice valait bien un hommage en chanson. Et une fois n'est pas coutume, je vais m'en charger moi-même. Ouais, ben on se réjouit, hein. C'est du cynisme ? Non, allez-y. Bon, j'y vais alors. Oui. Là. Oui, alors je m'imprègne un peu du personnage. Hein. Leonard Cohen commence toutes ses journées par 2 heures de méditation zen, alors évidemment ça se ressent le reste de la journée. Alors Christophe le retourne, hein. Je ne veux pas vous brusquer, mais si vous pouvez y aller... C'est bon, j'accorde. Ouais. Parce qu'après on joue faux, puis on dit que c'est parce que c'était pas accordé. Bon, vous devrez faire un peu de méditation zen le dimanche matin, Anne aussi. Genre entre 5 et 7 heures du mat. Ça tombe bien, en plus vous êtes debout, c'est à l'heure où vous rentrez en général, non? Je vous permets... Attendez, je vous permets pas. Ouais. Bon, ça va, je peux faire ma chanson? Bon. Vas-y. Non, mais des fois, on ne met pas dans des conditions qui sont... Oui, parce que Cohen, faut le sentir. Hein. Faut se laisser guider par le lyrisme, sinon ça ressemble à rien. On doit entrer dans son monde. Essayez de fermer les yeux, là, normalement, il faudrait... Ah ouais, moi, quand je ferme les yeux, je trouve plus les notes. Bon, mais non, je recommence. Hein. Christophe, oui. Tu voudrais pas que je te fasse des chœurs? Je pense que ce serait bien pour l'ambiance sonore, tu penses pas? Si tu veux, hein, sur les refrains, alors seulement sur les refrains. Back, okay. Les 4 premiers, pas les 4 d'après. C'est ça. Puis assez fort les chœurs, parce que ça doit être, chez Cohen, on entend toujours beaucoup les chœurs. C'est un peu fort, okay. Ça va être pour qu'on marque qu'il les a payés cher. Bon, j'y vais. Hein. Suzanne te harcèle de ta vie toutes les parcelles. Tous les jours elle te dépouille et même elle te casse les... Je m'excuse, mais la jambe de Cohen, elle s'appelle Kelly Lynch, c'est pas Suzanne. Oui, je sais, mais j'ai un peu de déontologie et j'ai volontairement changé de prénom pour protéger sa vie privée. Alors j'ai pris au hasard Suzanne. Ça te dérange? Kelly Lynch, non, je voulais non, pas. Non, ça te dérange? C'était juste pour dire, tu sais. Bon, pas... je peux continuer? Je sais plus ma rime. C'était... Bon, c'est pas grave, je continue. Et tu sais qu'elle va pas te lâcher. Sur son clavier, elle va te lâcher. Et t'envoyer des insultes. Cette pauvre conne inculte. Oui, mais c'est bizarre, Cohen en français, ça sonne quand même moins bien. Hein. Pardon? Non, je trouve que les paroles, elles sonnent moins poétiques en français qu'en anglais. Quoi. Mais évidemment, ça sonne moins poétique si on m'interrompt tout le temps. J'ai pas le temps de me mettre dedans. Ça. Ah non, excuse. Mais la traduction, c'est du mot à mot? Non, c'est pas du mot à mot, c'est du sens général, l'esprit, la poésie. Ah ouais, d'accord, je vois bien l'esprit, ouais. Quand tu crois t'en débarrasser, elle revient te harceler. Attends, il manque pas un pied, là. Tu veux le voir, mon pied, ouais? Elle te laisse pas tranquille et toute ta vie vacille et devient un vrai calvaire. Et tu veux t'éloigner d'elle, mais tu ne peux te passer d'elle, car tu sais qu'elle a le... Non mais ça va, Victino, tu veux venir chanter à ma place? Ouais, bon. Mais c'est toi qui m'as dit! Non, alors bravo, ouais, bon. Mais... On va pas y passer la nuit non plus, hein, bon, sur cette merci. Chanson. Ouais. Merci, les amis de la poésie et du zen. Vous savez ce que vous faites, tous? C'est du harcèlement, voilà, du harcèlement de poète. Ben, je vais faire comme l'autre poète maudit de mes deux. Là, je vais vous coller un procès de 9 millions de dollars pour harcèlement.